Rimworldiens, Rimworldiennes, bien bonjour à tout le monde. On continue, après cette petite bagarre avec nos copains les insectes. C'est parti, mon kiki, j'ai remballé Libellule sur l'équerre. Vache va se soigner elle-même. J'ai pas le temps de jouer autrement avec elle. On a pas mal de travail à faire ici. Je lui demande de faire un self. Donc, Libellule, comment je fais pour te sélectionner, hein? Comment on fait pour sélectionner? Voilà. Prioriser, soigne. Allez, soigne-toi, ma biche. Et toi, mon pauvre petit d'équerre. Bon, on a besoin de bouffe. 52% sans médicaments. Et toi, vache, combien t'as réussi à te faire? 24%. Ah, c'est moins bien. Hein? Bon, tu veux jouer aux échecs. Tu vas pas trop. Ouais, tu peux jouer aux échecs, ma belle. Libellule, que vas-tu faire, toi? Tu veux jouer au fer à cheval. Tes besoins extérieurs sont très bons. Ok. Et Grizzly, je t'ai envoyé couper un petit peu d'herbe. Allez, on va un peu nettoyer tout ça. Ensuite, Grizzly, tu me feras de la boucle. Ah, une capsule de cargo. On n'en a pas eu des tonnes. Savez ce qu'on va faire après? Moi, par contre, ce qui j'ai absolument... Bah, enfin, il saute ma gueule. Pardon. Excusez-moi. Du cuir de dromadaire. Non, de la fourrure de loup. Ah bon. Je vous ai dit que je n'aimais pas avoir une deuxième colonie. Je vais vite vider ce truc et puis... Ah, c'est... Oui. 16, je crois que c'est comme le tissu. C'est pas mal. De toute façon, il faut que je vienne ici. On va récupérer ça. Ça, il faut que je vienne le récupérer. Il n'y a plus que 25. On va donner ça à notre ami Decker. La pénoxicilline, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. C'est un médicament qui prévient diverses infections. Il bloque la maladie du sommeil et la peste. Il faut la prendre tous les 5 jours, mais ça ne guérit pas les infections existantes. Par contre, il empêche les nouvelles infections, même celles qui ne sont pas encore découvertes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est... Bon, on va revenir ici. On va créer une assignation dans les règles sur la drogue. On va créer... on va regarder s'il n'y en a pas déjà une qui existe. Ben voilà, j'en ai une ici. On va l'appeler... Pénoxy... je vois comment ça s'appelle, la pénoxycycline. Pénoxycycline, ah tiens. Si. Clean. Alors, ça va pas être ça, bien entendu. Hein. Ça va être ici, et il est marqué tous les 5 jours. Et voilà, vous mettez tous les 5 jours. On s'en fout de l'humeur. D'accord. Et on va dire que Monsieur Decker devient pénoxycycline. Et voilà. Même s'il n'en a pas pour le moment. Hein. Mais comme ça, dès que je ramènerai, il pourra en prendre. Ce qui devrait peut-être un petit peu diminuer. En tout cas, ça nous fera 125 jours. Ce qui fait quand même 2 ans. Ce qui nous donne 2 ans de tranquillité. Enfin, tranquillité, j'en n'en sais strictement rien. Hein. Donc je n'en tire que 8 ici. Parce que je tire à du 84% au lieu de 11. Ouais, bon, on fera avec. Hein. Vache, tu es parti. Semer, c'est bien. Le chauve, tu es parti transporter. Ce qui n'est pas suffisant. Donc, tu vas venir. Tac. Essaye d'en prendre plus avec toi.
Comme un maximum. Parce que là, je peux en mettre 71. Alors, j'ai retiré les patates de là, je les ai mis uniquement ici, puisque pour le moment, on en a besoin. Vous remarquez qu'on ne peut toujours pas, hein, on ne peut toujours pas semer. Hein, et c'est bien embêtant. Bon, mon ami Grizzly, qu'est-ce que tu vas me faire maintenant? Tu veux aller miner de l'ardoise. Alors, ce que tu vas nous faire, c'est en boucle ceci. Comme ça, je vais pouvoir modifier la bouffe de mes petits bidules là. Allô, tu te sens comment, mon petit? Bah, tu te sens pas trop bien. Pas grave, on va cuisinière électrique. On a nos quatre plats simples ici. Ok. Alors, j'ai combien d'animaux, moi, en fait? Bon, il faut que je regarde aussi le dromadaire juvénile, parce qu'il bouffe moins. Il bouffe moins que les autres. Voilà, le chauve peut enfin fournir à manger. Tu es parti où, Grizzly? Ah ben, on en a plusieurs des créatures, il n'y a pas que celle-là. C'est vrai, j'avais oublié ça. Bien nettoyer tout ça, c'est important. Je crois que je vais cette fois-ci un tout petit peu modifier là. Pour le moment. Hein. Je vais dire que je le dépose au sol parce que j'en ai beaucoup à faire en même temps. Voilà. Alors, Dan, mon ami Dan, tu as toujours ton arme? Et finir ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de saloperies, beaucoup de sang. Pas maintenant, faut faire une fête, les gars. Qui est-ce qui fait une fête? Grizzly qui fait une fête. C'est bien, mon petit Grizzly, c'est bien, mais tu sais, faut pas toujours choisir un moment comme ça, hein? Tu fais une fête, pas alors que je t'oblige à. Ah ouais, mais il est parti manger. On va lui faire du bien. Sauf qu'il va bouffer de la saloperie, mais bon, c'est pas. Alors, un grossiste. Mais c'est génial, ça. Il me faut des composants avancés. Je crois qu'il m'en faut deux pour faire la table d'assemblage. Hein. Je ne sais plus comment on appelle ça. Quelle heure il est, là? Il est 4h du matin, les gens vont s'éveiller. Le chauve, ouais. T'es fatigué, mec. Jean. Ah ouais, t'en manques, carrément. Oui, même s'il est marqué qu'il ne doit pas dormir maintenant, ils dorment quand même hein, quand ils en ont besoin. Alors, allô, tu voudrais que tu allais me faire à manger? Ah, t'as soigné, toi. Et comment tu l'as soigné? Quoi? Où? Mais donc, Ornicard?
Tu l'as mal soigné là ou tu l'as mal soigné là, j'en sais rien. Alors, grippe 13-13. Pas terrible ça. Crise dite totalement guérie. Parfait. Ok. Allô? Tu nourris. Ok, cuisine 4 plats simples, c'est génial. Vous voyez, il commence par la viande de truc là. C'est ce que je voulais qu'il fasse. Le chauffe, tu vois quand même maintenant. Becker n'est plus incapable de marcher, donc on va te remettre un lit normal. T'en es où? D'abord. Ça, c'est important. 14-14. Et tes parasites musculaires. Tu vas pas miner d'ardoise pour le moment. Ta manip est trop dégueu. On va te garder au pieu. Comme ça, je n'use pas de médicaments parce que j'en ai plus beaucoup. Alors, un colon a besoin de soins. C'est de, bien entendu, d'équerre. Et cette fois-ci, c'est pour soigner quoi? Qu'est-ce que... Alors, soins impossibles maintenant, les parasites musculaires. Ah, c'est une saloperie, les parasites musculaires. Alors, qui est-ce qui va venir te soigner? Libellule et vache, thé ou vache? Et un soigné. D'accord. Allez, sans médicaments, mais fais-moi quelque chose de bien quand même. 34, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Sans médicaments, je parle, hein. Alors, température 48, ça y est, ça pousse. Maintenant, monsieur le chauve, vous allez venir jusqu'ici. Appelle le grossiste. Tu me vends pas mal. Voilà ce que j'ai besoin. Alors, il me faut deux. Et il n'est pas cher, je trouve. Il n'est pas très cher. Du tissu. Tu me vends du tissu. Beaucoup de tissu. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir d'autre? Un petit médoc. Plastacy, j'ai tout pris. Un petit peu de bois, mais ça, on peut encore s'en passer. Il n'y a pas d'urgence du tout pour le bois. Ok. Parce que c'est bon. J'aurais pu me prendre. Non, c'est 20% celui-là, mais c'est un chapeau de dame, donc ça ne me va pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Bien. Ici, on va mettre un ventilateur. Déjà. Voilà. Ici, après, on mettra, donc il me faut encore le... On va faire l'hôpital ici, hein, bien sûr. Mais il me faudra comme vous pouvez le voir ici, il fait quand même 23 degrés, mais c'est parce qu'il fait rien dehors, il fait 60. Ah, c'est pas. Où est-ce que je peux mettre un... Donc je pourrais mettre ici une clim. À ce moment-là, je fais un trou ici. Je vais faire une clim ici. Ça refroidirait un, deux, les deux pièces là. Et je peux encore faire un... Ouais, même ici.
Et alors je creuse ici. On va creuser ici. Voilà. Plus ceci. Et ça va me permettre de mettre ici un ventilateur. Ouais, on fait comme ça. Ok. Je pense que ça va aller. Toute cette région, ça c'est quoi comme plafond, hein? C'est du plafond bâti. Donc normalement, tout ceci, il faudrait que je l'élimine par après. Donc ce frigo ici doit disparaître. Ceci aussi, normalement, devrait disparaître. C'est à cause de ces plafonds-là qu'on n'a pas une excellente température comme on pourrait l'avoir. Ou du moins, je pourrais fermer. Mais bon, comme c'est un atelier, ça va. Par contre, il faudrait quand même que je ferme. Il faudrait que je ferme à ce niveau aussi. Ouais, je pense. Ok, on continue. Bon, maintenant, tout est là-bas. On va quand même lui dire de qu'il peut prendre la viande avec lui maintenant. Voilà. Ça, logiquement, il prendra tout en même temps. Ah ben. Madame, tu vas déjà. Alors, rien de nouveau, plus de bouffe là? Ok, il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus de bouffe. Et de nouveau, pousse pas. Vous ne poussez pas bien, mes enfants. Bon, 80, 80. Avec 80, je vais en avoir à peu près 7. 1, 2, 3, 4, 5 fois 7, 35. Il m'en faut 10. Trois, ça c'est bien. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et voilà le dixième. Alors, vache. Contemple et priorise. Alors cette fois-ci, ton travail, toi vache, tu es et là. Forestier, pardon, tu es un et Grizzly aussi est un. Ce qui est parfait. Dame. Tu as bien tout nettoyé, mais tu vas d'abord me faire ça. Bon, ouais, notre petite saloperie. Alors, Decker, tu dors. Decker, tu vas venir mettre ça sur la tête. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui... Toi, tu avais de la résistance psychique. Ah, ça va encore. Qui est-ce qui n'aurait pas de résistance psychique? Non, personne qui a de résistance psychique. Mais comme Decker, pour le moment, est en mauvaise position,
Si on regarde ici, il se prend quand même 6 dans le nez. Bon, je vais me dire, c'est pas très grave par rapport à ce qu'il a, mais autant lui faire porter ça pour le moment. Decker. Tu es parti semer. Est-ce que tu peux 56 degrés. Decker, comment... Ouais. Semer, ça va. Ouais. Voilà, nourriture est arrivée. Allez les gars, laissez-moi un petit peu faire pousser mes trucs, s'il vous plaît. Allez, va te soigner. Alors, c'est quoi qu'on te soigne cette fois-ci, mon petit? La grippe, ou 25-25, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va enlever ça. Et ce coup-ci, je te mets des herbes. Allez. Et je voudrais, après, que Monsieur Grizzly tope vache. Allez, finis-moi ça. Stop. Après. Stop. Ok. Monde. Caravane. Une caravane avec Grizzly. Tout seul. Et on rajoutera les dromadaires après. Choisir un trajet ici. Ok, tu te prends avec toi six plats. Tu manges deux par jour et mes plats tiendront 2 jours. Voilà. Ok. Accepté. Aucune nourriture, si. T'inquiète pour ça. On zoome. Et on passe assignation. Grizzly. Raffiné. Donc tout le monde ici, vous voyez, tout le monde est enceinte de 17, 15 et 26 jours. Donc on va prendre celui-ci avec nous. Donc le dromadaire 1. On l'ajoute à la caravane. Et le petit avec.
Le petit avec K. Où est-ce qu'il est le petit? Le juvénile. Alors, il va à quelle vitesse le juvénile? 3,87. Parce qu'il est juvénile, au lieu de 4,30. Et il transporte combien? Il transporte 75 et en bête de somme, oui. Parce que j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Je pense pas que je vais rester longtemps parce qu'il va bientôt y avoir. De juste récupérer quelques composants supplémentaires, je crois. Et la pénoxycycline. Ouais, j'aurai pas le temps. Ok. Hop, 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 Grise dit, j'ai oublié de prendre un truc, c'est ton sac de couchage. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Ici, Grise dit. Voilà, est-ce que j'aurais besoin de prendre autre chose? Non. Je pense que on peut y aller. Ok, il est parti. Donc on va te redonner un médoc ou pas? Ah, j'en ai plus que 4 déjà, quoi. Pas toi. Si, Decker, ici. 38-41, on va te laisser sans ce truc-là. Ok, bon, toi mon ami. Alors, architecte. Donc j'ai déjà créé quelques zones hein, ici à l'avance, moi. Hein. Vous voyez ici j'ai des zones de stockage, j'ai des zones de stockage ici. On va l'agrandir. Et on va. Ok. Ouais. Soit. Trois jours, trois, c'est bon. Ok. Je t'ai sûr que tu as pourtant pris avec toi. Où que c'est qu'il est, mon sac de couchage? Je l'ai pris pourtant. Bah alors là, c'est bon ça. Où est-ce qu'il est, mon sac de couchage? Il y en a un ici. Et l'autre, il est où? Il est ici au bout. Qu'est-ce qu'il fout là, mon sac de couchage? Ben alors celle-là, il l'a larguée, quoi. Ah bon, d'accord. D'accord, Decker, tu viens ici, ça va. On revient sur Yesli. Ok. Bon, ben, tu me fais ça déjà. Toc, 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 toc. Ah! Zone. Je me suis fait avoir. Bah, une fois qu'il la bouffe, il la bouffe. Hein, je vais l'avoir dans l'os. Enfoiré. Ah oui, en plus, j'ai oublié de changer, bien entendu.
Ah, je me suis fait bouffer un médoc. C'est bien, une bonne idée, ça. Soixante-sept%. Après, je peux plus, hein, j'ai plus rien, mec. Je n'ai plus rien. Bon, il n'y a plus de bouffe de nouveau, hein. À 1% de la vitesse normale. Il se fout de moi ce jeu. Toi tu m'as l'air pas trop mal. Ne me fais pas une éclipse solaire maintenant, hein, mec, parce que là je serais vraiment pas heureux. Hein. Ensuite, ici en bas, on n'a pas encore ouvert. Ok. Ça, là, c'est fait. Il me refaut aussi un truc comme ça, ici. Comme ça. Et un. Et un ici. Voilà. Comme ça. Poum, poum, poum. Et pourou, poum, poum. Et un ici. Voilà. Donc si je mets le meilleur endroit pour le mettre, sera ici. Il sera central, il va distribuer sur deux cases là et sur deux cases par là. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Architecte ordre. Mais d'abord je veux voir où se trouve ici. Je fais un trou ici et un trou ici. Et voilà. Becker, tu vas rester au pieu. Parce que comme ça, ça m'évitera de bouffer tous mes médocs. Grizzly. C'est bien. Tu dors dehors, je suis bien embêté avec ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'es en pleine journée, là. Hein, ok, on va restreindre. Alors. On va restreindre comme ça. On va faire plein de loisirs. Plein de loisirs, tu vois. Et on va te laisser dormir un peu plus la nuit. Comme ça. Comme ça, tu as toujours du plaisir. Capsule de cargo. Alors, ça va où cette fois-ci? Et tu mets ça juste à côté d'un cadavre, c'est une excellente idée. Hop, 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 hop. Bien. Tu manges. Ok. Médite. Ok. Tu viens ici.
vache. Donc là, j'ai un stockage qui est en priorité normale. Donc je vais remettre maintenant ici en priorité normale aussi les pièges à pointe. Comme ça, je n'ai plus le problème. Ici, on a creusé, c'est fait. Donc, il me faut maintenant, dans mes zones, la zone à ciel ouvert est ici. Est-ce qu'il y a un toit? Il y a un plafond de pierre fin, libellule. Priorise le toit. Ensuite, tu vas me mettre ici. Et je pense que c'est bien. Alors, ici, je suis à combien, là? Intérieur 16, 25, 1 degré, 21. On est parfait, hein? On est parfait. Aïe, il y a 5 de bouffe là, ok. Mais Jean, tu transportes le piège à pointe. Et après, tu sèmes la zone. Est-ce que j'ai déjà ramené le yayo? Ah ouais, quand même. T'étais vite, mec. Ok. Gris. Après, tu dors, mec. L'onde psychique s'est arrêtée. Ok. 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 Il y en a un qui est parti déjà. Il n'y a plus que la grippe. Mais j'ai toujours une mauvaise manipulation, moins 5%. Et c'est les parasites, mais c'est l'autre qui est le bon qui est parti malheureusement. Donc là, je suis à 51%, ça va. Et la grippe, 51% pour 47. Bon, tant pis, on va te laisser comme ça. Moi, j'ai pas de médoc pour toi. Je suis désolé, mon ami. Ok, on repart ici. Et Grizzly, dès que tu as fini ça, ben, tu vas faire dodo. J'ai besoin que tu ailles faire dodo. Ok. Et la nuit, ça n'avance pas très vite. J'aurais pu prendre... Recherche terminée. Ça y est. On y va. Alors. Ça, c'était une chose importante ici. Ce que je voudrais bien maintenant avoir. Il y a ça qui est important. Il y a ça qui est important pour les composants avancés. Et les composants bioniques. Mais je crois qu'ici, il me faut des composants avancés, de toute façon. On va commencer avec ceci. C'est le plus important pour moi.
Atelier de fabrication. Il fallait deux composants avancés, tu vois. Je suis content que j'ai pu les avoir juste à temps, quoi. Ou pas. 200 aciers, je les ai. 12 composants, je les ai. Deux composants avancés, je les ai. Alors, on va positionner ça. On va mettre ça ici. On ne peut pas mettre ça là. Est-ce que je voudrais déplacer quelque chose? Parce que celui-ci, une fois que c'est fait, hein, t'as plus. On ne peut plus bouger. Donc t'as pas intérêt à traiter, quoi. Bah, ici, il est très bien, je crois. Il est juste à côté de. Bah, je pense qu'il est parfaitement bien situé. Voilà. Parfait. Chaise. Excellente chaise. Est-ce que j'ai une chaise excellente? J'ai une chaise excellente. Mais on va donc la réinstaller. Ici. Parfait. Ça devrait être suffisant pour tout. Je pense qu'on a quelque chose qui se profile bien à ce niveau-ci. Ok. Bouffe. 75. De toute façon pour l'instant. Ensuite, alors montre-moi un peu ça, libellule. Je suppose que tu es parti maintenant faire les composants avancés là-bas. Bon, j'avais quand même un peu à vendre, hein. J'avais du lait. Bon, je te fais faire quoi? Des composants? Bah, non, je vais continuer à te faire ici du plastacier, mec. Pénoxycycline, c'est pour ça que je suis venu en particulier. 17. Bon, on va faire le caravane. On va faire notre caravane. Parti parce que sinon on va jamais y arriver. Ne peux prendre ça avec toi si tu veux. Je sais que j'en ai encore ici en dessous. Il va m'en rester dans ce coin-ci, je sais plus où.
Petit à petit, bon, ça sera toujours ça de fait, hein. Même si on n'a pas fini, c'est pas grave. Intérieur 20, 19, 18, 20, 21, c'est parfait. Et ici, il me faut aussi ça. Mais ici, c'est moins important qu'il fasse plus froid. C'est pour ça qu'elle peut être, elle peut être un peu plus grande aussi, celle-ci, elle ne me gêne pas. Parce que là, il n'y a pas... Il y a que dans les chambres, dans les hôpitaux, que vous devez vraiment avoir, entre 17 et 26 degrés. Tu ne pousses pas encore. Et on a le 4, hein. On a le 4 pour le moment. On a vraiment une période assez difficile pour l'instant. Pour le moment, on va mettre du lait. Bon, animaux. Ce qui est bien quand vous n'avez qu'une case aussi, hein, quand vos animaux naissent, comme vous pouvez le voir ici. Oh, allez, j'ai pas de chance, moi. Chaque fois, j'ai un petit quête là. J'ai des mâles maintenant. C'est quoi ce truc? Deux naissances, deux mâles. Allez, arrête un peu avec tes mâles, hein, mec. Bon, et d'office, ils se remettent dans l'abattoir. Mais ça, c'est assez sympathique. Donc, mon juvénile, là, maintenant, pour l'instant, il est toujours juvénile. Il m'a consommé... juvénile. Il m'a consommé, pour le moment, 19,1 rations. Ouais, mais j'ai besoin de trucs de dromadaire pour me faire des bonnes guenilles. Les guenilles doivent être en dromadaire. Pourquoi les guenilles sont importantes? Parce que les guenilles peuvent se mettre en dessous des armures. Tandis que le manteau ne peut pas se mettre avec l'armure. Et donc, meilleure sera votre armure en dessous. Mais, moins vous aurez de problèmes de santé. Bon, ils vont pouvoir bouffer autre chose maintenant. En attendant que ça pousse, hein, parce que j'ai pas trop le choix. Bon, on va bientôt arriver ici avec une bonne température, hein, mais... C'était pas mauvais, je crois, en construction. Ouais, c'est bon. Fais-moi ça. Comme ça, les gens qui vont travailler là, ça ira mieux.
Bon, mais Médoc, il m'en reste 3. Ok, libellule, tu devrais être à 100%. Ok, arrête de méditer. C'est bien leur méditation, sauf qu'ils méditent plus que 100%, quoi, alors que ça sert à rien. Donc ça, c'est un petit bug encore qui traîne. Maladie grave. D'accord. T'es en grippe extrême. D'accord. Alors, 83. 86. Je suis bon. Sauf qu'il se sent pas bien, quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. 83%, progression d'immunité 86, on est bon. Bon, prévenir l'infection de la malaria, de la maladie du sommeil et de la peste, uniquement de la peste. Ouais, il n'aura plus la peste normalement, mais bon. Moi, je pense qu'on est bon là, 83, non, non, 86%. Pédoxycycline, ça c'est autre chose. Ok. Alors, je voulais revoir le toit ici. Comme vous voyez, ça c'est une saloperie. Mais bon, ça va aller, c'est pas la majeure partie, hein. Donc on a combien ici? Comment vais-je faire mon truc? On va aller voir sur le wiki, hein, comment ça marche.